Donc, on sera sur un cône croustillant de betterave marinée avec des crème d'ail, adobe fumée pomme et au-dessus donc c'est de la nette. Faut surtout pas hésiter à la déguster avec le cône. Juste à côté donc sera la terrine de coups de canard et carottes. On terminera avec deux tuiles seigle et algues qui s'accompagneront d'une émulsion de lait ribot. Je vous souhaite un bon appétit. Alors, en pré-entrée, pour continuer, en bavarois de courgettes et menthe, chair d'araignée, friture de courgettes et pétales de capucine. Souhaitons un agréable déjeuner. Maquis de homard, enroulé de radis gris, à l'intérieur évidemment le homard, feuilles et côtes de blettes, et sur votre droite, gelée et mousse de homard accompagnée de salicorne. Souhaitons une excellente continuation. Le chef vous a préparé, donc on est sur une langoustine rôtie. Avec dessous, vous avez en petits carrés les asperges blanches marinées. Et là, c'est l'asperge crue, tout simplement. Blanche de chez Christophe Le Beaupin. Et là, on y ajoute, ça c'est extraordinaire, on est sur une émulsion de fingerwood. Fingerwood, c'est un rhizome qui ressemble beaucoup au gingembre, sauf que c'est beaucoup plus délicat. C'est pas fort, c'est plus fin. Finesse, ça prolonge et ça vient ponctuer le plat. Les pommes de terre caviar français, caviar d'Aquitaine, pommes de terre grenaille, accompagnées de chou pak choy, du chou d'origine asiatique mais cultivé chez nous évidemment, fleurs de marjolaine, écume de lait ribot, betterave nouvelle, parsemée d'un jus au soja. Alors j'en mets très peu volontairement, par petite pointe, pour pas déséquilibrer le plat. C'est très puissant le soja. Bon appétit à vous. Avec les petites fèves alluli à Vincent, petites chips de carottes, on poivre avec le radis rose, il y a du céleri et le bouillon, alors c'est citronnelle taille. Et les vins, ça vous plaît avec? Oui, c'est bon. Hein, ouais. Alors, comme d'habitude, on la mange en un seul morceau pour qu'elle éclate. Alors, on est sur la pomme de ribot romarin avec des petits pois de chez Vincent Lamante, petite mirabelle. Alors, vous allez voir les mirabelles avec le ribot romarin, c'est super. Petit peu de carottes et il a fait un petit peu de rognon au girolle avec des navets dessous. Bonne continuation. Alors, juste ici, on a un 5 hectares fermier, à côté brin d'amour, brebis corse, un goudet affiné 48 mois, du camembert, du montbrillac, on va avoir des parades de chèvre, du sel sur chèvre. Juste ici, on a le petit fiancé des Pyrénées, c'est un chèvre, c'est très crémeux. Le Stilton, bleu anglais. Derrière, on a le Georges Lest, une tome de chèvre du Poitou. J'ai un chèvre de Bourgogne, le Charolais, le Péreil des Cabasses. C'est un brebis. Du Roblochon, les croutins de Chavignol, une tomate de Savoie, une pâte pressée suisse, l'Étiva, un bleu du Vercors, du Parmesan, du Livaro et un chutney fait par les cuisiniers aux cerises. Et le chèvre, fait par le chèvre, excusez-moi. C'est le stress de... Oui, en boîte. On n'a pas besoin de 13, voire 15 ans cette semaine. Oui. Sorbet groseille en pré-dessert, groseille fraîche, crumble et une mousse de poivre de Sichuan. Excellente continuation. Le chef, s'il vous plaît, 4 minutes pour un estomac de groseille, ça peut venir au 5. Oui. Je mets sur l'estomac, je me mets sur les deux saisons. Thank you.
Avec une glace à la menthe. Ça vous a plu l'escumade? C'est bon, hein, avec les cassis, le poivre, l'accord, c'est super. Hein. On est sur donc petite tarte au citron avec une petite ganache en fin de compte de fruits de la passion. La panna cotta, alors ça c'est un café froid, c'est extraordinaire, mousse de mélisse. On est sur la coque, donc le macaron coque betterave rouge et à l'intérieur on est sur une petite crème de litchi. Petite kilo au café, Madeleine. Bonne continuation.